Je m'appelle Christophe, j'ai 21 ans, je viens de Paris. Je suis parti de Paris du coup, donc j'ai laissé ma famille et tout ça. Je suis parti au mois d'août, fin août, et grande découverte et grand changement dans ma vie. J'ai fait une formation en menuiserie à mes 16 ans. J'ai arrêté. J'ai fait un apprentissage en mécanique de 2 ans à un CAP. Du coup, je l'ai obtenu. Mon grand-père qui sortait le laïole, et enfin pour moi c'est typique, et du coup le bois et le métal, bah, ça m'a refait penser à mes années de jeunesse, et du coup j'en suis arrivé au point de la coutellerie. Puis je me suis renseigné sur internet, j'ai regardé 2-3 sites scolaires de coutellerie, et du coup je suis tombé sur celui-ci qui m'a beaucoup plu. J'ai postulé, j'ai cherché un employeur. Voilà, ça fait 3 mois que je suis ici maintenant. L'apprentissage, on apprend pas à pas, et du coup ça me va très bien, puisque on nous donne du boulot à notre niveau, et pour progresser du coup c'est vraiment top. J'en ai essayé bien d'autres, des métiers, et je pense que j'ai trouvé le bon, vraiment. Pour l'instant, donc j'ai 21 ans, donc je pense pas me mettre à mon compte. Et l'entreprise où je suis pour l'instant, c'est un cocon qui est en train de me former et qui est en train de m'apprendre le métier. Je vais y rester jusqu'à temps que ça soit possible, puisqu'ils m'apprennent et je leur dois bien ça. Et du coup, après, par la suite, mais vraiment beaucoup plus tard, si ça devait changer, oui, pourquoi pas me mettre à mon compte. Je dirais aux jeunes qui nous regardent par exemple, je dirais qu'il faut chercher le métier qui plaît vraiment, là où on sent qu'on se sent bien, et y foncer. Même s'il faut faire 2-3 métiers assez laborieux au départ, s'accrocher pour vraiment y aller, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. D'autres questions ? Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Je me sens bien en tant que...